Bonjour à tous et à toutes, c'est Lucas Robaz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PVZ, l'épisode 3. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure, logique, j'ai envie de vous dire. Alors, on continue. C'est drôle. Non mais donc, oui, nous avions eu ce truc-là, bon, on sait que c'est ça, mais c'est en plus puissant. Allons voir ce que c'est. Alors ça, c'est un champi fumé, ça lance de la fumée à travers les moustiquaires. Donc il y a des zombies qui ont des moustiquaires, tout est logique dans ce monde, j'ai envie de vous dire. Regardez, lui là, il y a des moustiquaires, zombies moustiquaires. Alors hop, voilà. Ce jeu est calme. J'aime bien cette ambiance. Enfin, je sais pas si vous le sentez, mais il y a une ambiance dans le jeu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ambiance. Oula, ma souris. Merci. L'ambiance de ce jeu, elle est juste parfaite. Je vous montre ce que c'est, je sais pas, là. Vous allez voir. Normalement, il attaque quand le zombie est là, il attaque. Vous allez voir. Dès que le zombie atteint la ligne, là, lui, il attaque. Voilà. Non, il disparaît, c'est pas les soleils, ils sont fous, ils disparaissent. Au calme, je vais te dire. Pas cher, il n'y a pas tout qui est permis. Petite blague sympathique. Donc, quand est-ce qu'ils grandissent? Ah, ben voilà. Puisque je le dis, pour avoir des trucs suffisants. Il va grandir. Maintenant. Je dis maintenant. Voilà, merci. Ah. Les zombies moustiquaires. On peut le détruire le moustiquaire aussi, mais... Sinon, voilà, on peut utiliser ça aussi, parce que regardez, lui fait des dégâts à la moustiquaire et des dégâts à la truc. Là, ils sont pas mal dans la merde, du coup. Ça marche pas comme ça, ce PVZ là. On va faire comme ça, j'ai une idée. Voilà, on va faire deux rangées de champis fumés. Cette musique, mais elle est calme. Oh, c'est trop bien. Une calmitude, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Ah, tu dois là, c'est la mort. En plus, ils font mal, je crois. Ils font même très mal. Bon, là, je vais avoir la troupe. Alors, je pense pas que. Voilà. Pourquoi je les bosse pas là? Mais parce que si je les pose là, pour un attaquer que s'ils sont là, les zombies. Alors, ça ne sert un peu à rien. J'aime bien ce style quand.
Il rentre dans les tombes. Bon, on est bien, j'ai envie de vous dire. Là, on est très bien. RIP zombie qui va se faire laminer. RIP. Bon, toi, du coup, tu vas te faire un gars. Ah, ça, c'est bien comme plante. Quelle est cette plante? Cas de mort 1, mais ça n'a aucun rapport. Éclateur de tombe, c'est une plante qui tue une tombe. Elle supprime une tombe, quoi. Et vous lâchez les graines. Ça fera 750 euros, mais vous pourrez choisir 7 graines, une de 6. C'est très intéressant, moi je veux. Je veux acheter une graine. C'est très bien. Donc on a une place en plus, vous avez vu. Bon, pour l'instant ça sert à rien, mais pour après vous allez voir, ça va être super bien servir. En fait, je vais me battre qu'avec les trucs de la nuit, moi. Vous allez voir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le camp. Il est camp. Bah là, je suis dérangé, on s'en fout. On n'est pas à ça près, de toute façon. Ce qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que si tu te gourres au début, bon, tu peux recommencer le niveau, genre rejouer le niveau, mais tu peux aussi, enfin, tu peux te rattraper facilement, quoi. Regardez, j'ai posé un truc là en me gourant, ben voilà, j'ai mis la pelle, puis voilà, quoi. Facilement te rattraper. C'est pas un jeu que tu fais une erreur, t'as perdu, quoi. Et je trouve ça bien. Ah, du coup, on va mettre d'oranger. Abusation. Tu es en tête. Où es-tu, s'il te plaît? Par contre, après, faudrait bien que j'éclate les tombes, alors j'aimerais que vous bougez me d'agrandir, s'il vous plaît. Bordel de merde. Bon, on va voir ce que ça fait. Attends, j'attends que lui meure. Attendez. Attendons que cette jante personne meure. Voilà. Regardez, je le place là et. Voilà. C'était très bon. Ça donne des pièces en plus. Donc pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Nous sommes dans un très bon point. Mes chers amis. Donc là, ils vont tous mettre à grandir et ils vont faire. Bon, du coup, là, on va faire l'armada. On va s'occuper de détruire les tombes. Ça va être cool. Alors, toi, non. Ah, si, vas-y, vas-y. Ah, t'aurais pu passer par-dessus lui. Ça aurait été what the fuck. Tu laisses mon champignon tranquille. Ar. Tout un gardon. Non, excusez-moi. Excusez-moi pour cet accent hyper raciste. Bon, tu grandis, toi? Ah, ils ont grandi, c'est bon, ils ont commencé à grandir. C'est bien, c'est bien. Ceci est trop parfait. Parce que là, il s'occupe pas des tombes, mais dans le 2, c'est tellement chiant ce truc, ce système là. Parce qu'en fait, la tombe elle bloque en fait. La tombe elle nous bloque pour pouvoir tirer et c'est chiant en fait. Et voilà. Voici l'histoire de ce monde. Elle bloque et du coup, les zombies, il fallait planter le, là, elle sera en train de tirer sur ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette statue-là, on dirait une statue de Docteur Robotnik, un peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Celle-là, là. Avec les moustaches et tout, là. C'est très bien fait. La zone. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mon chat veut sortir. Alors, attendez. On va faire un truc simple. Oh, tout le monde. Donc, il y a mon chat. Il y a mon chat qui est en, qui est sorti, mais il y a mon truc, il y a mon chien qui est rentré. Enfin, c'est complètement le bordel. Donc si vous entendez un petit bruit, parce que le chien fait plus de bruit que le chat, c'est logique. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On dirait normal. On dirait normal.
Bon, adieu la statue Robotnik. Oui, donc je disais, ça ressemble beaucoup à une statue Robotnik parce qu'elle avait la moustache et tout. Je sais pas si ça a une... Putain, le nombre de soleil que j'ai, c'est abusé, ça. Oui, donc le truc de Robotnik, je trouve vraiment... Je sais pas s'il y a une théorie par rapport à ça. Ça serait bien s'il y avait une théorie par rapport à ce truc-là. Oui, donc ça commence à être abusé, hein, le truc-là. Là, on le destroy la map. La... Voilà, merci. On lui a détruit sa gueule. Voilà. Ce jeu est très sympa. J'adore ce jeu. Déjà l'épisode 3, hein, quand même, on est bien. Donc oui, un peu l'abusement, hein. Vous voyez un peu. Comme c'est abusé. Voilà. Abusement, bonjour. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'aurais pu mettre des pistes au poids ici, ça aurait été plus facile. Mais je m'en bats, les gars. Mais une force surhumaine. On peut dire qu'on est invincible, on est d'accord. On va les laisser arriver là, ils vont mourir tous ici. Ça va être bien. Fini l'aventure. Qu'est-ce que je fais? Vous allez voir ce que je fais. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Je vais foutre des pistons, je me disais que j'avais oublié ce petit bruit là, zéro. Ah ah, qu'est-ce que j'ai eu? C'est un almanach, c'est marqué dessus. Almanach de Almuisini, je sais pas ce qui est marqué. Garde la trace des plantes et des zombies que vous rencontrez. Donc c'est un peu un dictionnaire si vous voulez regarder. Là on a toutes les plantes. Oh, je voulais les plantes. On a toutes les plantes là. Et là on a tous les zombies. Donc voilà. Après là il y a un zombie très spécial que je pense que vous connaissez peut-être. Si vous avez joué à la saga. Robustesse fort. Voilà, ça c'est l'équivalent du saut un peu. Ils ont un peu le même truc tous les deux. Voilà, on a divers trucs, voilà. Ce zombie est dans la cervelle, ils n'ont jamais assez. La cervelle le jour, la cervelle la nuit. Vieille cervelle puante, cervelle pourrie, cervelle plus très fraîche. Peu importe, le zombie aime toutes les cervelles, donc voilà. Ça prouve qu'ils ne foutront jamais de la paix. Avez-vous déjà... Jouer au tap zombie. Ah, jouer au tap zombie, ça va être super. On va s'amuser. Ah, faut taper le zombie. On s'amuse. Déjà que ma souris fait de la merde alors. Plus rapide que l'éclair. Je suis concentré. Tout apparaître. Ah, il y a plus de statues. Ah, super. Ah, ils vont nous donner un truc pour détruire les statues, là, je crois, sur le côté. Je crois. Voilà, c'est ça. Je me vide celle-là aussi. J'ai donné des soleils, là, s'il vous plaît. 1, 2, 3, soleil. J'ai dit 1, 2, 3, soleil. Soleil, soleil. Mais je veux des soleils. Je veux des soleils. Quel amusement. Ah ouais. À la fin, il y en a partout qui vont arriver. Je n'ai pas un seul soleil. Je suis actuellement dans la mort. On a ras-le-bol. Oh non, ils sont lui avec des plots. Putain, ça va être beaucoup plus chiant.
Donnez-moi des foutus trucs, s'il vous plaît. Et là, ils sont beaucoup plus rapides, hein. Te pose pas la question, c'est Narmol. Toujours. Après, il va y avoir des zombies avec des sauts, on va pas se faire chier, j'ai envie de vous dire. On va devoir spam-click comme des gros porcs. Putain, mais donnez des soleils, s'il vous plaît. 1, 2, 3, soleil. Non, j'ai dit soleil, c'est la même couleur, mais c'est pas ce que je cherche. On peut dire que... Ah, merci, putain. Putain. Oh, wow. On se calme. Et c'est stress, y'a point S. Oh, wow. Oh, putain. Oh, non, vague ultime. Oh, putain. Ça c'est joli, bim! Et voilà, nous sommes les meilleurs. Donc, dernière partie, après on finit la vidéo, que ça doit durer 20 minutes et quelques. Rallye un zombie à votre cause. Ah, ça c'est bien ça, c'est le chapitre. No. Ah, tu vois ce truc bien chiant là, qui est super fort là. Bah, pas encore rencontré, mais on s'en bat les couilles. Qui est super fort là. Eh ben, avec ça, on va pouvoir le rendre. Comment dire. Il pourrait être avec nous en fait. Ça, c'est très bien. Tu vas voir dès qu'il va arriver ce gars, parce que lui, il a beaucoup, mais beaucoup de points de vie. Plus de PV qu'un zombie assaut et il va beaucoup plus vite. S'en est calme, doucement, on va y arriver. Zone de quasiment entière en projet. C'est que je m'occupe des tombes aussi, hein, mais vu que j'ai pas l'habitude. Pour moi, les tombes elles détruisent les zombies maintenant. Enfin, elles détruisent les. Enfin, les plantes détruisent les tombes. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop l'habitude. Attends, mais. Je pense quelqu'un un truc. Un champi, ça s'occupe d'un zombie, mais au KLM. Ma gueule. Bon, mais limite, hein, quand même. Si elle avait déjà été mangée un petit peu, ça va être chaud. Hein. Parce que la plante, par exemple, a un peu été mangée, mais au bout d'un moment, le zombie il meurt avant de l'avoir mangé. Mais l'autre qui arrive derrière, ça s'additionne du coup. Du coup, le gars, il arrive, il peut très bien, même pas avoir la cinématique, il peut déjà manger la plante comme ça, quoi. Enfin, c'est du shit. Donc, voilà. Maltraitance envers des zombies. Je m'en balègue. Un peu de patience, allez voir ce qu'ils font les l'hypno-zombies. L'hypno, le champi hypno. Va arriver ici, là il va se faire mais maraver. Pas du tout, je la ferme, c'est bon, j'ai compris. Je vais en mettre un ici. Décédé, oh non, on savait pas. Il y a marqué décédé sur cette tombe. On le savait pas qu'il était décédé. Attention, non, nous ne savions pas. Ah, notre ami, comment il va? Débarque, soleil. Voilà, et là il est avec nous. Et ouais. Est-ce qu'il va me bouffer la tombe? Non, même pas. Évidemment, comment je l'hypnotise, lui, il n'y en a aucun qui vient derrière. Non, mais ça. Mais non, c'est pas drôle. C'est flip tous et derrière ce putain de zombie. Bande de flippers. Occupons-nous des tombes parce que celles-là elles apparaissent pas. Pas comme dans le 2 où elles réapparaissent tout le temps. Oui, je sais, je fais beaucoup de trucs au 2, de référence au 2. Et alors ça vous fait quoi? Qui est-ce que ça peut faire?
finir, on va tout reculer, parce que sinon le zombie il va jamais avoir le temps de manger un autre zombie en fait. Parce que du coup le zombie qui est avec nous, bah, il se bat contre les autres zombies quoi, c'est logique. Donc on met plus de zombies à 0. Ouais. Bah, une armada ma gueule qui va arriver, j'ai pas le temps de me préparer. Préparer le champip, non. Y a pas un autre zombie. Je suis dégoûté. Stress. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bim. Brochette. Bon, alors toi, tu peux s'il te plaît, merci. Voilà. Alors ça, c'est un peu l'équivalent de Luigi. Ah, le troll. Ça, c'est Luigi. Tireur à distance qui se cache en présence de l'ennemi. Voilà, fuck you. C'est un peu l'équivalent du pistolet poids dans la nuit. Sauf que là, il se cache quand il est... voilà. Donc maintenant, regardez dans l'almanach. Obustress, très fort. Il se donne à 110% sur le terrain. Logique. Bon, alors là, on va être mieux. Oh là là là, trop de temps, ben. Donc, on s'occupe. Excusez-moi. C'est bien, je vais placer comme ça le truc, comme ça. Ça va être trop bien. Donc là, c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ça, c'est un peu l'équivalent de Luigi, et ça, c'est un peu l'équivalent de Mario, tu vois. Ça, c'est Toad. Le magique, c'est un champignon. Pourquoi ce champignon ne me donne rien? Champi. J'ai eu peur. Ah, parce que je suis servi du champi peureux. Vous allez voir ce qu'il fait si un zombie qui arrive là, souvent. J'adore cette musique, elle est trop bien. Je kiffe la musique. Pouce bleu pour la musique, les gens. S'il vous plaît. Voilà, il attaque. Je fais autant de dégâts que eux, mais voilà. Il y a le pistolet poids, sauf qu'il se cache quand. Voilà. Et il n'a pas trop de défense, hein, je vous le dis. Mais genre, je crois que s'il y a un zombie là, bah, lui il se cache. Bon, lui aussi, mais lui aussi il se cache. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'il ne faut pas faire de conneries. Ce que je fais tout le temps. Alors. Bon, là, on va pouvoir mettre tous les petits trucs qu'on veut. Faudrait bien s'occuper des tombes aussi, parce qu'elles m'emmerdent pas mal, là. Voilà, tout va bien. Passer le soleil. Encore un soleil de ta part et c'est bon. Oui, aussi celui-là. Je mets ses yeux. Lui. Et pour ceux qui se demandent, non, on ne peut pas le passer hors d'une tombe. Il ne peut pas. Logique, c'est un éclateur de tombe, j'ai envie de vous dire. On va faire un gameplay full avec ça. Fuck la moustiquaire. Ah, c'est bien dans ce jeu quand on fait clic droit, y'a rien. C'est trop bien ça. Armée de Luigi.
Ça va, y a pas de zombie qui sort de là, je pourrais tremper pour faire spawn des trucs là. Soleil, s'il vous plaît. Merci. Ah là, j'aurais dû. RIP Robotnik. RIP. Repose en PLS. Ou pour ceux qui disent RIP en paix. Voilà, shampoing. Allez. Oui, bon, c'est un peu plus chiant en fait sans le. C'est même très chiant. Sans ce foutu truc de mort. Alors, tu sais quoi, on va. On va te bagarre avec. Ou ça, ça dépend comment tu veux. Mais je comprends pas, regardez. Il perd son bras. Mais comment il tient la moustiquaire là? Tu peux m'expliquer? Bon, après, c'est pas des zombies, quoi. J'ai envie de vous dire. Tout est possible avec les cartes qui vivent. Oh, je m'étire et je baille. En même temps, je viens de me réveiller, je vous dis souvent. Il est midi 29. Oui, je tourne à midi 29. Et alors, tu vas faire quoi? Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est bon, voilà. Voilà, voilà, Gromit, lol, ma blague est drôle. Voilà, maintenant on va spammer les tombes. Les tombes. Bon, la bonne nouvelle c'est que les trucs là, ils sont très bien les zombies. La mauvaise c'est que j'ai qu'un truc comme ça, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas envie de rajouter, j'ai trop la flemme. Trop la flemmouille. Est-ce que j'ai le temps pour mettre un truc comme ça? J'ai réussi à sauver, attends. Non. Je me suis j'ai cliqué ailleurs. Si j'arrive à me débarrasser de toutes ces tombes, non, c'est pas possible. Soleil, s'il te plaît. Soleil. Bon, je vous montre comment il est le zombie quand même quand il y a des zombies autour. Vous allez voir. Zombie, il arrive là, et c'est le voir. Vous avez vu ce cache? T'es une victime. La grosse victime. Évidemment, quand je n'ai pas mon champion hypno, il. Oui, voilà, vous avez vu? Et là, il est avec nous, et du coup, il bouffe tous ses potes. Et comme lui, il a 10 000 PV, bah, c'est hyper cheaté. Oh, Diamond! Ça donne 1000 d'argent. C'est bien cheaté. Belle et bien cheaté. On a déjà. De nous regarder. Oui! Et ça, qu'est-ce que c'est? Nous le verrons au prochain épisode, les amis. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ma gorge. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis bye tout le monde.